Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre challenge Inktober. Le thème du jour, c'est musique. Et pareil, si je traduis ça de l'anglais vers le français, ça me donne musique. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti. On va arrêter de dire de caca. Et je vais attaquer tout de suite. Alors, je suis pas très inspiré. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis vraiment pas très inspiré. Donc, j'avais envie de tenter quelque chose en lien avec la musique, bien sûr. De faire une partition avec des notes qui vont se poser dessus. Et donc, on va essayer de jouer avec les... avec les perspectives, les notes, vous avez vu, j'ai directement attaqué le dessin sur le carnet. D'habitude, vous le savez, je fais un petit préparatoire. Et là, je m'étais dit que vu que ça va être assez simple, entre guillemets, on va pas forcément chercher trop loin. Hop, voilà, donc quelques notes de musique par-ci par-là. Et ce sera tout. Je vais attaquer tout de suite avec mon aquarelle. Alors, on va faire des notes noires hein, là pour le coup. Pareil niveau couleur. Ça va pas être dingue. Alors j'essaie peut-être un petit peu de jouer, voyez, avec les épaisseurs de traits, faire un petit peu de variation. Parce que c'est pas du tout mon truc et donc du coup je me dis pourquoi pas utiliser ça un peu comme un exercice parce que c'est le but encore une fois de Linktober, c'est d'apprendre aussi des choses. Et de voir un peu comment fonctionnent certaines choses et je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça. Et ça se voit d'ailleurs, hein, n'est-ce point, puisque ce n'est pas terrible du tout, cette espèce de truc pas terrible. Ok, on va passer encore à l'autre là-bas. Alors oui, je laisse des petites touches blanches au milieu des notes. C'est vraiment pour faire un peu comme si elles avaient du volume, vous voyez. Et que et qu'il y avait un petit point de brillance dessus en fait tout simplement. Ok pour celle-là. Bah oui déjà rien que juste avec des simples notes de musique, eh ben ça me met mais en galère. Mais vous avez même pas idée, je crois que déjà, enfin si, ça doit se voir quand même. Mais ouais, c'est chaud en fait de se dire que, juste avec une... Elle n'existe pas cette note, hein. C'est chaud. Que ouais, juste avec quelques petits trucs comme ça aussi simples, en fait, on puisse être autant en difficulté. Et c'est là que des fois, justement, ça nous rappelle que... il y a des choses qui sont pas qui sont pas acquises et qui sont pas si simples que ça. Alors oui, je triche. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la triche. J'utilise ce petit
stylo, feutre, pinceau, marqueur. Appelez ça comme vous voulez. Qui est pas mal hein, pour faire ce genre de petits trucs. Et j'ai loupé une ligne, il me semblait bien. Hein. Et oui, 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 et oui. Tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, celui-là. Il est dégueulasse. Voilà, c'est tout. Hein, faut dire les choses comme elles sont. Il est vraiment dégueulasse, ce dessin du jour. Mais c'est pas grave. Ça arrive, c'est comme ça. Et des fois, on est plus inspiré, des fois un peu moins. Là, c'est pas l'inspiration qui m'a manqué. Enfin, si, il y a quand même un peu d'inspiration qui m'a manqué, hein, clairement, pour faire juste ça sur le thème musique. Bon, on va dire que le mec, il était pas inspiré. Mais en plus, techniquement, on va dire que là, c'était pas terrible. Hein, la partition, déjà, il me semble qu'elle est fausse. Il y a des notes qui sont inexistantes. Donc voilà, mais ça arrive, c'est comme ça, il faut pas. Faut savoir que voilà, en dessin, comme tout, faut pas se braquer, faut pas se dire que c'est perdu pour toujours, ou que voilà, bah non, c'est juste qu'aujourd'hui, eh ben c'était pas le jour, c'était pas le thème, c'était pas ce qu'il me fallait, et c'est comme ça. Et que du coup, bah ça sera mieux demain, et puis voilà. Et si c'est pas mieux demain, ça sera mieux après-demain, etc., etc. Faut pas se mettre en déprime. Allez, du coup, je vais arrêter ici, en tout cas, pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.